3 points d'écart seulement entre Nice 13e et 3 11e. Les Niçois sortent d'une victoire 1-0 sur le terrain de l'équipe tchèque de Slovako en Europa Conference League. Ils les retrouveront à domicile quelques jours plus tard. Auparavant, ils accueillent l'Estac. Nice a besoin de se relever en championnat après deux défaites de suite. Diop, Delors de retour et Pépé sont titulaires. Côté troyen, Audobert, Ripard et Baldé vont essayer d'obtenir un bon résultat après 3 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs, soit un très bon bilan. Bruno Irles voit son équipe en difficulté en début de match. Nice attaque. Sofiane Diop pour ce centre sur un corner joué à 2. C'est repris par Mattia Vitti au premier poteau. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le jeune défenseur italien. L'une des recrues de la saison pour les Aiglons. 1-0 dès la deuxième minute du match pour l'OGC Nice. Les Niçois sont galvanisés par ce but et vont de l'avant. Nicolas Pépé dans la surface. Il est accroché par Palmer Brown. Penalty pour Nice. À la 37e minute, Andy Delors s'élance et transforme ce penalty en but. Il fête ainsi parfaitement son 31e anniversaire. Il inscrit son 4e but de la saison et permet à Nice de mener 2-0. Petit souci dans la foulée avec la sortie d'Atal remplacée par Lotomba. Mais à la mi-temps, Nice mène 2-0 et est très bien parti. L'Estac doit se réveiller en seconde période. Très peu d'opportunités pour les visiteurs depuis le début du match. Nice repart de l'avant avec de bonnes intentions. Des ballons récupérés et des projections rapides. La balle arrive à Nicolas Pépé. Pépé pousse le ballon et termine l'action. Bien lancé par Sofiane Diop, auteur de sa deuxième passe décisive du match. Nicolas Pépé inscrit le but du 3-0, le deuxième de la saison pour l'international ivoirien. Très belle réalisation. Et un score un petit peu plus important désormais. Nice peut déjà entrevoir la victoire. Changement pour l'Estac avec l'entrée sur le terrain de Ronnie Lopez. Bruno Irles procède à quelques modifications. Ronnie Lopez entre puis Conté à l'heure de jeu. Chavalerin et Hugbo entrent tous les deux à la 77e minute. Le visage de l'Estac est modifié. Et les derniers instants sont meilleurs pour 3. Le centre est repoussé. Mais le ballon revient sur Xavier Chavalerin. Réduction de l'écart à la 82e minute. 3-1. Et premier but de la saison pour Chavalerin. Une petite lueur d'espoir pour les Troyens. Ça va mieux avec ce but. Et 3 domine les derniers instants de la partie. Le ballon est dévié et ne laisse aucune chance à Kasper Schmeichel. Et 3 continue à aller de l'avant pour pourquoi pas marquer un deuxième but et complètement se relancer dans les derniers instants. La talonnade est bien faite. Belle action collective. Schmeichel touche la balle mais ne peut la sortir. Réduction de l'écart à 3-2 grâce à Abdou Conté à la 90e minute. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Abdou Conté, servi par Hugbo. Très belle action collective de l'Estac. Il reste le temps additionnel pour espérer égaliser à 3 partout. Mais les Troyens n'y parviennent pas et Nice s'accroche à sa victoire. Une victoire confirmée. Nice s'impose 3-2 contre 3.